Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve ici pour le 36e épisode de Assassin's Creed Valhalla. Et donc là, on venait de faire une quête mystère, on a porté les caisses et puis on a eu un anneau. Alors, donc on doit aller au sanctuaire en ruine de Cinnabel. Et donc on va sortir le cheval. Voilà, cheval magique qui arrive toujours de n'importe où. Et puis on va se rapprocher de la grosse cité là-haut. Je pense que c'est ça. Non, c'est les ruines là-bas. Ok, nous y voilà. Regardez, avec un trésor qui est caché. On est avec toi, Ivor. Veille à ce que les facteurs de flèches en préparent assez pour chacun. 20 par homme. Gedrich. Hé, Ivor. As-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Oui. Elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace. Ok, alors... Pouvez affaiblir les défenses du château. Alors, les espringales, les chaudrons d'huile sabotés ou détruits. Le château, il est là. Oups. Pauli. C'est un peu long à pied. Donc on sait très bien que l'infiltration, c'est mon point fort. A l'air imprenable. C'est là que se réfugiera Edwin. Alors... Les espringrales, c'est quoi ça? Ok, les espingales, c'est des grosses arbalètes. Les espingales, non, tu m'as pas vu. Arbalètes. Eh merde. Je dois les mettre en état. Peu. C'est à nos côtés. Cette vermine n'a plus pour longtemps. Ça s'est cassé. Pas de la vie ici.
Hop, on fait ça. Comment être bloqué pour rien? On aura laissé toutes les forces, il n'y aura plus personne. Allez, saute, saute, saute! Ah. La bonne vieille méthode. Oh. Pensais pas qu'il était prêt à tirer. En sortait bien pourtant. Peut-on détruire les arbalètes à coups de flèche? Chose qui explose, puis il se demande rien. J'aime les broussailles, hein. Mais non, tu vois rien, tu vois rien. Non, lui m'a vu fort. Dieu ne nous laissera pas perdre. De moins. Je dois les mettre en état. Ok. Oh. De moins. Hop là. Oui, là-haut. Mais non, et... Faut être une cible pendue, non? Ouch! Mais il tire de où? Vas-y, Graham, t'es capable. Oh.
Moi je te vois. Tiens. Cleave. Mais non. C'est nul. Je suis pas capable de sauter là où il faut. Et non, c'est pas lui que je veux attaquer. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Encore un. Gardez-vous, on va y arriver. Je m'occupe de combien ça va être lié. Allez les gars, on va y arriver. Avec moi. Pied. On attaque par derrière. C'est quoi ça? Nous avons l'avantage. Ah oui, je gagne de l'XP. C'est fini pour toi. Yes, ça donne la vie. Out. Suivez mon exemple. Nous apportons la meurtre. Un archer en arrière. Bon, les arbitriers qui viennent d'où? Eh, viens toi. Avec moi. Voilà, bon. Il y a un coffre au trésor là-bas, il y a de quoi manger ici, il y a quelqu'un qui a l'arc là-haut. Hop, t'es mort. Oui, attends que j'arrive. Voilà. T'as tout compris.
quelque chose qu'il faut que j'explose en bas. Attention, ça va faire boum. On les cuisine. Non, 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 prends pas feu, prends pas feu, prends pas feu, prends pas feu. J'avais dit, c'était l'heure de mourir. Hop, on plie le coffre. Alors, il y a un équipement à récupérer. Est-ce qu'on peut escalader tout ça? Alors, le truc, c'est que là, j'infiltre et j'explose tout le monde tout seul. Il reste des choses à faire, mais... Cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, mon tour de vie. Peste. Ah, n'importe quoi. Il reste. Et quand on va faire l'assaut. Cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Eh bah, on aura plein de monde, les grilles seront fermées, et puis tout. Alors, bon, au moins, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Allez, descend. Ok, bon. Est-ce qu'on peut retrouver des champignons? Ils sont déjà mangés, ici aussi. Voilà, des framboises. Cadavre. Oh voilà, j'ai détruit la première garnison. Ah, tombé dans l'eau, il n'y a pas d'eau. Ok, il y a une autre garnison là-devant. Ok, des gardes là-bas. Salut, vous allez mourir. Allez, crève. Les autres aussi. C'est l'heure d'Hermine, ne l'a plus pas longtemps. Quelle direction? C'est par là-bas. Petit renard. Alors, il doit y avoir de la bouffe. Je dis qu'il faut attendre. L'enjeu est trouvé. Je suis Sigurd. Bon. Ah, Sigurd, il est là. Chier. Que nous allons combattre. Tu es quelqu'un de bien, Sigurd. Alors, il y a une clé. Pas rentrer par le plafond.
faisant tout péter. Alors, est-ce que j'aurai assez de distance? Oui, safe. Lancez! Bon, ça brûle plus. Alors, on pille, on ramasse la clé qui permet d'aller je ne sais pas où. Ah, de sortir tout simplement. Alors, y a-t-il un passage secret ici? Non. Non, la clé ne sert pas à ouvrir cette porte. Par où s'en va? Par où on est venu? Tu es quelqu'un de bien, Sigurd. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Mais je n'attaquerai pas sans Eivor. Oh. Nous attendrons. Maintenant, comment on va en bas? Non. J'ai besoin de la vue, mon ami. Alors, une clé là-haut. Pas d'entrée de souterrain ou quoi que ce soit. Ok, bon, on va chercher la clé. Voilà, on a récupéré deux clés. Est-ce fait? Oui. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir? Je suis venu ici pour voir Kedrich. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor, mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions, dis-tu? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor? Les signes et les présages sont bons. J'ai pas assez affaibli Edwin. J'ai d'autres choses à faire. Lançons l'assaut. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. Phase de pudding. Nouvelle quête, la pierre de saga. Château de Cinnabel. Ok, donc là, ça sert à rien de tuer le menu frétin. Ça donne pas d'XP. C'est ça. Arrière,
rentre chez toi. Ah non, oh, c'est toute mon énergie, moi je suis coincé. Bon, bon. Allez, poussez-le, faites-le tomber. What the fuck? Ah, c'est bon, lui il est tombé, ok. Mais non ! Ah, il est tellement faible ce personnage. Allez, on recommence du début. C'est là que je vais utiliser. Et voilà, je joue plus de vie. Oh les crèves! C'est quoi toutes ces... L'autre, c'est une crise d'épilepsie. Mon dieu, c'est quoi qui me tue comme ça? Je risque pas les tirs de flèche. Allez, viens, 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 je t'attends. Allez, au suivant. Et à chaque fois, je mets mon contre-coup. Quoi ça, il me bombarde? Alors ça me touche même si je suis en dedans. Oh la caméra. Thank you.
passer. Et quoi ça? Ah! Quand même que je défonce les piquets au bout en premier. Bon, j'imagine qu'il le finit, il vole mon XP. Il va mourir. Bon, censé être plus que 4 en face. Alors pourquoi tout à l'heure j'en ai tué comme 8? Ils ont réapparu en face. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tu veux que j'ouvre le pont levis si les ennemis ils apparaissent à l'infini? Ça veut dire que c'est pas ces ennemis là qu'il faut tuer. Puis je m'en prends plein la gueule. En plus des piquets qui eux aussi semblaient réapparaître à l'infini. Je vois rien. Ok, bon, comment on abaisse ce crise de pont levis? Ah mon dieu, je suis même pas obligé de traverser pour l'ouvrir. Ah, comment la garnison qui vient de réapparaître? Bon, alors, peut-il y avoir de la vie quelque part? Eux vont tous être occupés. Elle est là, Eivor, à la herse. Oh oui, bah attends, je vais récupérer un peu de vie d'abord. Il y avait encore une affaire ici. Et il y avait les champignons pas loin. Non, c'est plus. Bon, c'est pas grave. Pour escalader ça. Vu qu'il n'y a plus de chaudron. Oh,
Comme ça fait pas de dégâts cet infernal. Ok, bon. On monte la grille. Allez, bon, mon dieu, t'es fort, Ivor. Allez, entrez, guerrier. On met toute la bouffe, non. Oui, et moi j'ai plus de vie, de la bouffe. Merci. Ok, ok, au centre de tout ça. Tiens, porte étendard. Plus de porte éteinte, plus de porte éteinte là. Piété, mais bam, vas-y, mange, mange. Ah non, mais je m'en fous, lui. L'avait sonné en plus. Dieu, ça, un combo de ouf! Elle a fait XX, quoi, quoi, cette. T'es morte! Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à lui de décider de ton sort. Je peux pas la tuer. Allez. Tu as combattu avec Alan et honneur. En conséquence, je te confie à Gedrich. Il saura te traiter correctement. Je le ferai, si tu abjures ton amitié envers ce pot de pisse qu'est le roi Elfred. Très bien. Alors qu'on l'emmène.
J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. À leurs yeux, la gloire, c'est une mort violente. Et une vie paisible ne mérite que le mépris. Allez, on va dans le château pour voir. Rejoindre Sigurd. Des anciens, les Issou, les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier. Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais... mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne. Je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du Seidre noir. N'écoute pas. Non. C'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient. Le roi Elfred de Wessex. Il approche avec une grande troupe. A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés. On n'a pas la moindre chance. Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercie. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercie aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, Seigneur. Tu peux choisir. De grâce. Pas de messe-passe. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercie. Et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wolfrich. Mon thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami. Qui m'envoies-tu? Jarl Sigurd. Je me propose. Merci, Basim. Intéressant. Roi Elfred. Un instant. Est-ce toi, Fulke? Tu les accompagnes? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Fils
père traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudit troll! J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd. Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. Les dieux, Basim, c'était quoi ça? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Oh, c'est pas la fin de la quête? Bon, de manière, on a assez traîné là-dessus. Bon, j'aurais sûrement fait un... Bon, fin de la quête. J'aurais sûrement fait un montage pour raccourcir un peu la vidéo et éviter toutes mes morts de cet assaut de la forteresse. Car j'ai attaqué des endroits pour rien. Et donc, ça a pris du temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien manquer. Et quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures, ciao, bye bye.